Les Misérables de Victor Hugo. Adapté par Hélène Bleskin. Réalisé par François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Premier épisode. En 1804, Monsieur Charles-François Bienvenu Myriel était curé de Brignoles et il vivait dans une retraite profonde. Vers l'époque du couronnement, une petite affaire de sa cure l'amena à Paris. Entre autres personnes puissantes, il alla solliciter pour ses paroissiens Monsieur le cardinal Fesch. Un jour que l'empereur était venu faire visite à son oncle, le digne curé qui attendait dans l'antichambre se trouva sur le passage de Sa Majesté. Napoléon, se voyant regarder avec une certaine curiosité par ce vieillard, se retourna. Quel est cet homme qui me regarde ? Sire, vous regardez un bonhomme et moi je regarde un grand homme. Chacun de nous peut profiter. L'empereur, le soir même, demanda au cardinal le nom de ce curé et, quelque temps après, M. Myriel fut tout surpris d'apprendre qu'il était nommé évêque de Digne. Il arriva à Digne accompagné d'une vieille fille, Mademoiselle Baptistine, qui était sa sœur et qui avait 10 ans de moins que lui. Ils avaient pour tout domestique une servante appelée Madame Magloire. Pour donner une idée du ménage intérieur de Monsieur l'évêque de Digne et de la façon dont ces deux saintes filles subordonnaient leurs actions aux intentions de l'évêque, nous ne pouvons mieux faire que de transcrire ici une lettre de Mademoiselle Baptistine à Madame la Vicomtesse de Boischevron, son amie d'enfance. Ma bonne Madame, pas un jour ne se passe sans que nous parlions de vous. Je suis toujours bien heureuse, mon frère est si bon. Il donne tout ce qu'il a aux indigents, aux malades. Nous sommes très gênés. Le pays est dur l'hiver et il faut bien faire quelque chose pour ceux qui manquent. Nous sommes à peu près chauffés et éclairés. Vous voyez que ce sont de grandes douceurs. Figurez-vous que la porte de la maison n'est jamais fermée. Entre qui veut. Et l'on est tout de suite chez mon frère. Il ne craint rien, même la nuit. C'est là sa bravoure à lui, comme il dit. L'an dernier, il est allé tout seul dans un pays de voleurs. À son retour, il n'avait rien eu. On le croyait mort. Il se portait bien. Et il a dit « Voilà comment on m'a volé ». Et il a ouvert une malle pleine de tous les bijoux de la cathédrale d'Embrun que les voleurs lui avaient donnés.